YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois PlayStation 3 du passé fait en tabassage. On va rester dans le contexte des armes à feu, du côté de la criminalité plutôt. IO Interactive, si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que ce sont les créateurs de Hitman, la célèbre série infiltration, tueur à gages, assassinat, stylé et tout ça. La première série de Hitman s'est arrêtée avec Blood Money, qui commençait un peu à cuire son âge, même si moi c'est celui par lequel j'ai commencé et que j'ai adoré. Et qu'on avait présenté d'ailleurs dans le mois PlayStation 2. Et donc, au passage à la nouvelle génération, IO Interactive se dit, on va créer une nouvelle franchise, parce que Hitman c'est bien, mais on veut pas être connu juste pour Hitman. On a envie d'être un studio, un vrai studio qui a plein de licences et tout ça. Et donc, ils décident de sortir Ken and Lynch Deadman, qui sort en 2007, développé par IO Interactive, distribué par Eidos. Qui nous met dans la peau de Kane, qui est un criminel endurci, qui va se retrouver à devoir s'allier avec Lynch, également criminel, mais en plus avec une maladie mentale, je crois qu'il est schizophrène, qui vont se retrouver donc embarqués dans une espèce de buddy movie actionneur avec braquage de banque, très inspiré par beaucoup de films de thrillers policiers, etc. Mais malheureusement, c'est surtout la technique. Voilà, l'écriture est pas ouf, mais la technique, elle pourrit vraiment le jeu, et le jeu, c'est une purge. Et c'est à ça qu'on va jouer tout de suite. Et donc, c'est très scénarisé, alors que les Hitman, justement, avaient un scénario très épuré. Donc, on peut jouer en coop, parce que, comme hein, Ken et Lynch, tout le principe, ça va être qu'on va incarner un duo. Donc, c'est pensé pour être joué en coopération. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, alors que le jeu vidéo se tournait de plus en plus vers le multijoueur en ligne. Il y avait quelques jeux qui décidaient de faire la part belle au coop local, et notamment en duo. Avec des résultats malheureusement très mitigés. Donc voilà, ça commence in medias res, et directement on se rend compte que graphiquement, on n'est pas dans les standards, dans le top des standards de l'époque en tout cas. Les graphismes, ça fait pas tout bien sûr. Le problème, c'est que le gameplay, il est beaucoup plus passéiste que les graphismes. Mais là, du coup, vous allez peut-être trouver que j'abuse, mais honnêtement, sur PlayStation 2, on avait des jeux qui étaient à peu près du même tonnage. Même voire un retour en arrière par rapport à certains titres PlayStation 2 auxquels on a pu jouer. Les animations sont stilted. Des jeux comme Black sur PlayStation 2 étaient clairement plus. Il y avait déjà des effets de lumière. Ah, ok. Ensuite, hein, les skins génériques à foison. Il n'y a pas vraiment de feedback intéressant sur les gunfights. J'ai pas vraiment de recul sur mon arme. Alors, c'est l'époque déjà où on commence à émuler le système à la Call of Duty où on regagne de la vie en se mettant à couvert. L'intelligence artificielle, regardez, ils se planquent tous au même endroit, ils s'alignent à la queue leu-leu. Les bruitages sont muffled et ont absolument aucune portée. Au niveau de la mise en scène, voilà, les effets pyrotechniques ont lieu derrière nous parce que je suppose qu'ils sont tout pétés. Je vais traverser la rue pour trouver du job. Putain, c'est compliqué de réussir à viser quoi que ce soit. Hein, J'ai besoin de munitions. On a cette mécanique de les alliés vont te donner des munitions quand t'es en rade. Et quoi là? Ah, il y a un problème de gestion de hitbox parce que là je lui vise clairement sur la tronche. Donc pourquoi il ne prend pas mes balles? C'est parce que je suppose qu'il est protégé derrière la hitbox du mur, même s'il est clairement pas derrière le mur. Alors on a un système de couverture, mais on n'est pas ancré dedans comme dans un Gears of War. Regardez, si je mets un peu trop de pression sur mon joystick, en fait, ça me sort de mon couvert. Et quand je suis accroupi derrière le truc, bah du coup, je tire dans le bordel. Voilà. Ils ont même pas réussi à faire le tir depuis la couverture comme tous les TPS de l'époque. On ne peut porter qu'une seule arme lourde sur nous à la fois. Je peux pas passer par là. Voilà, si. Ah, c'est pas prévu pour ça, visiblement. Non, je ne peux pas passer par cette fenêtre, elle est trop petite. J'ai besoin de munitions. Les mecs sont en train de se tamponner eux-mêmes. Eux, là-bas, ils ont oublié de bouger. Tu nous as trahis, Kane. Tu nous as laissé crever et tu t'es cassé avec le blé. Des conneries. Des conneries. Donc voilà, là, toute l'ampleur du scénario a été posée.
Et donc Lynch qui est présenté comme un mec ultra badass qu'on est censé craindre un peu, mais qui au final, grâce à ses graphismes PS2 incroyables, pense qu'on a tout ce qu'il nous a faut. Un physique de prof de sport. Prends ça, qu'avec l'autre. Tac. Donc voilà, on peut s'échanger des armes avec Lynch. Suis-moi. Bon, c'est surtout intéressant quand si tu joues à deux. Voilà, là je t'apprends à bien gaspiller tes munitions. C'est très utile. Bon, au moins on a une mécanique de lancer de grenades dynamiques sans être obligé de changer d'arme pour attraper des grenades. Tais-moi ce bruit de P90 quoi. Quand on joue en solo, on peut donner des ordres à notre pote IA. Du coup, ça essaie de faire comme s'il y avait. De donner l'impression qu'il y a un aspect tactique et tout ça, alors que non, en fait, hein, ça change rien. Et de toute façon, l'IA de Lynch est tellement, tellement pété. Il peut me revive, d'accord. Il y a ces mécaniques-là, ça j'avais oublié. Allez, donne-moi des munitions, toi. Mais reviens ici, reviens ici. Mes munitions, abruti. Putain. Niveau HUD en bas à droite, là. On voit qu'il y a 100, que j'ai 100 balles de P90. On voit pas combien j'ai de balles dans le chargeur. On voit juste le total. Donc ça, c'est un retour en arrière par rapport à tous les FPS et TPS qui étaient sortis pendant les 10 années précédentes. Putain, les graphismes, ça me tue, quoi. Bah, on est à peu près du niveau de Hitman Blood Money qui est sorti un an avant sur une génération de consoles précédente. Hop, je te neutral, one shot au corps à corps. Donc les mecs ont fait Hitman et ils sont pas capables de faire une phase d'infiltration digne de ce nom. Donc c'est ultra linéaire aussi, complètement scripté, parfois de manière artificielle. C'était pas un peu overkill le rappel là pour descendre. Alors les animations, je parle des animations, mais niveau maniabilité, en fait elles se ressentent, ces animations stilted. Tu le ressens dans ta façon de te déplacer. C'est difficile à expliquer hein, quand Lynch, sécurise le hall. Vous avez pas la manette dans les mains. Ça va pas leur plaire. Des trucs artificiels comme ça, genre pour déclencher la cinématique, on m'a téléporté en arrière avec un mouvement de caméra qui veut rien dire. Ah si, là on a quand même de la détérioration des décors. Le placo qui tombe. Alors peut-être que là c'est plus dynamique que dans Black. Et dans Black c'était aussi plus spectaculaire, il y avait des effets de particules alors que là il y a rien. Et le fait que Lynch il ait des otages, c'est pas justement pour éviter l'assaut policier? Super l'effet de particules. Mais qu'est-ce que tu branles, gros? T'es en train de buter tous les civils, tous les otages. Et qu'est-ce que vous... Mais il est parti où, l'autre? Mais vous allez où? Vous allez faire un retrait? Sauf qu'ils sont vachement bien planqués derrière leur fenêtre explosée. Bien joué, gars. Allez, on est parti. Mais il tente le jeu, il tente. Là, on a déjà fait un braquage de banque, ça fait 40 minutes qu'on joue. Et voilà, et maintenant, on est dans une section rail shooter. Et c'est nerveux, hein. On voit qu'on est à pleine balle, là. Hein. Les voitures, on est dans de la modélisation façon Spider-Man 2 sur PS2. Hein. Alors, je sais que je parle beaucoup graphisme, et que c'est pas ça qui est important, mais malheureusement, le core gameplay est pas exceptionnel non plus. Où est la musique? Les bruits d'armes sont tout mous, on a des sirènes pour mettre un peu l'ambiance, mais par contre les bruits de moteur c'est à fond de seconde. Quoi? Par contre voilà, ce qui est cool c'est quand on est mis à terre on a des flashbacks de dialogue. Il y avait aussi un multijoueur assez novateur pour l'époque qui consistait à jouer... On faisait un braquage de banque en coopération avec un certain nombre de joueurs. Je crois que c'était genre 4-5 maximum. Si t'étais tué par les flics, bah tu respawnais en tant que flic. Donc du coup tu te retrouvais à te battre contre la team des joueurs du côté de l'IA. Plus tu ramenais de thunes, plus vous aviez de thunes à vous partager. Par contre tu pouvais très bien trahir tes potes, les buter et du coup empocher le butin à toi tout seul, donc du coup c'était assez intelligent, assez novateur, sauf que du coup très mal équilibré, et moi j'ai fait 5-6 parties pour tester. Bon déjà il n'y avait pas beaucoup de monde parce que ça n'a pas fait un très grand succès ce jeu, mais du coup toutes les games se finissaient en tout le monde essayait de se deathmatch à l'entrée quoi. Donc ce qui était censé apporter un peu de nouveauté et permettre d'avoir des parties un peu différentes, bah au final ça formatait encore plus le problème.
Et je dis qu'il n'a pas très bien marché, mais ils ont quand même fait une suite ensuite. Ken & Lynch 2 Dog Days en 2010, donc 3 ans plus tard. Parlez de ton problème avant, bordel! Je pensais pouvoir me maîtriser, mais j'ai plus des masses de médicaments. Ah, ça, c'est par contre le détail est intéressant. Quand on est trop loin de Lynch, il continue à la radio à nous parler. Le jeu est également très répétitif. Il y a une scène qui est sympathique dans un club de nuit, un peu inspiré de Collateral. Ils avaient vachement communiqué sur le fait qu'ils voulaient, qu'ils avaient plein de références cinématographiques, Collateral, Hit, évidemment. Vous tirez pas dans le SWAT? Vous faites pas de sommation non plus? Elle tire un club. Ah bah voilà, on va voir le club. Poser dans le club normal. Et là, c'est un peu cool quand même parce qu'il y a plein de modèles. Et ça, bah, c'est leur expertise sur Hitman qui leur permet ça, parce que déjà dans Hitman Blood Money, il y avait la scène au carnaval de Nouvelle-Orléans qui était pleine de gens. Et là, il y a de la recherche au niveau du travail sur les couleurs, etc. Sur les lumières. C'est un peu la scène du Castlevania de John Wick, quoi. Tout le budget est passé là-dedans. Ta gueule, je te déglingue. Tu n'oseras pas. Ah, l'impact du... Ça suffit. Ah, les bruitages. Elle était pas solide. Fuck. J'ai pourtant pas frappé fort. Ah bah non, t'as pas frappé très fort. S'il te plaît, rends-moi le contrôle de ma caméra. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est bugué comme ça? Parce que là, on est en train de me tirer dessus pendant ce temps-là, à travers le plancher d'ailleurs. Et voilà, c'est parti, la fusillade dans le club, normal. Il y en a qui s'enfuient, il y en a qui continuent de cluber. Hein. Eh bien, merci d'avoir suivi ce sixième épisode du mois PlayStation 3. On a joué à Ken & Lynch Dead Man. Donc TPS distribué par Eidos et développé par IO Interactive. Pas terrible en vrai, beaucoup de retard tant en termes de technique qu'en termes de design de jeu. Et finalement la seule scène un peu cool, bah, c'est celle qu'on a vue là, qu'on a à peine eu le temps de commencer. Mais à part ça, c'est tout le reste est dans la veine des premières missions qu'on a vues. Des graphismes assez insipides, sans recherche de couleurs, sans vraiment de recherche de cinématographie. Un gameplay TPS vraiment rigide, passéiste. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Merci à tous, c'était Neman.